Tu croyais pouvoir te débarrasser de moi. Tu pensais qu'avec un enterrement bidon, pour mes fans et pour la presse, tout serait réglé. Tu te disais, ce n'est qu'un pseudonyme. Il n'existe même pas. Tu te disais, fini, George Stark. Maintenant, consacrons-nous à la vraie littérature. Pauvre naïve, non, ne t'imagine pas que tu vas pouvoir si facilement te débarrasser de moi. Je suis ton double, ta part de ténèbres, et j'aurai ta peau. Beaumont et son pseudonyme George Stark n'ont fait qu'un pendant 12 ans, jusqu'au jour où l'écrivain décide d'écrire sous son vrai nom. Quand on a signé des thrillers ultra-violents, se venger de celui qui a voulu vous faire disparaître est un réel plaisir. Adapté au cinéma par George Romero en 1992, La part des ténèbres nous plonge sous la plume du maître, inégalée de l'horreur et du suspense, dans les régions les plus reculées et les plus sombres qui soient. Soi-même.